Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a officié ce 22 octobre 2024 la cérémonie de baptême du patrouilleur Kayor à la base navale amiral Faye Gassama. Le Sénégal renforce ses capacités maritimes pour faire face aux défis en mer, nécessitant une action coordonnée des États pour lutter contre la pêche illégale, la pollution maritime, la piraterie maritime, les trafics illégaux, à savoir le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains dans le golfe de Guinée, mais aussi la nécessité de protéger les ressources naturelles et les infrastructures vitales. L'acquisition de ces technologies militaires vise aussi à sécuriser l'exploitation des ressources pétrolières et gazières en eau profonde. Le Sénégal dispose 3 patrouilleurs OPV-58S actuellement, dont le Walo acquis en juillet 2023, le Niani en décembre 2023 ainsi que le Kayor. A une puissance de feu très importante. Son armement est constitué de missiles anti-surface qui permettent d'abattre les avions et les missiles adverses. Il a des capacités, il a des missiles anti-surface qui sont dédiés aux navires ennemis. Il a aussi des capacités d'artillerie lourde et légère qui assurent aussi les mêmes fonctions. Ces patrouilleurs sont construits par le groupe français Piriou qui se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la construction navale. La France et le Sénégal entretiennent de très bonnes relations depuis l'indépendance sur le plan économique, diplomatique, culturel et militaire, avec surtout la formation des soldats sénégalais par Paris.